En 1955, est éditée une série de timbres pour célébrer des inventions qui ont modifié le cours de l'histoire. Parmi la conserve alimentaire ou la machine à coudre se trouve le gaz d'éclairage. Philippe Lebon est un ingénieur chimiste français à qui l'on doit le gaz d'éclairage, mais aussi le premier moteur à explosion en 1801. Son nom, à l'instar de ce qu'indique le timbre, s'écrit en un seul mot. L'auteur a dû confondre avec Philippe III de Bourgogne, dit Philippe Lebon. En 1786, ses travaux l'amènent à la découverte du gaz de bois, produit par la distillation du bois. Il publie ses travaux et obtient un brevet pour sa thermolampe. En 1801, il réalise une première expérience dans l'hôtel de Seignelay à Paris. Un vaste four à bois produit les gaz nécessaires à alimenter les lampes des différentes pièces. Ingénieusement, il profite de la chaleur du four pour installer le chauffage dans l'hôtel. Mais le gaz de bois a deux inconvénients. Il produit une odeur nauséabonde et l'été, que faire de la chaleur? Son invention n'a donc pas le succès escompté. Philippe Lebon meurt prématurément en 1804, permettant à ses successeurs de le traduire, de le lire, de poursuivre ses recherches. Notamment l'anglais William Murdoch, à qui Londres doit d'être la première ville mise en lumière avec le gaz d'éclairage en 1812. Viendra Bruxelles puis Paris. De grosses usines sont installées en périphérie des villes. De gros travaux feront traverser de part en part les tuyaux afin d'acheminer le gaz pour l'éclairage public, puis privé. Le gaz sera la principale source d'éclairage avant que ne s'impose l'électricité vers 1880.